Bonjour l'Église de Dieu. Good morning, Church of God. Je remercie le Seigneur pour nous avoir tous gardés. I'm very thankful to the Lord who has been protecting us. Pour nous avoir permis de nous rassembler en son nom. Who has allowed us to assemble ourselves on his behalf. Et pour lui donner gloire et honneur qui lui revient. To glorify him and to honor him. Aujourd'hui, today, nous allons partager la préoccupation que nous partageons. A topic of which we share. Il s'agit peut-être d'une question, maybe it's a question que chacun pourrait se poser. Of which everybody may ask him or herself. Comment dois-je adorer Dieu? How may I worship God? De la manière qui lui soit agréable. In a manner which is good to him. Prions. Let us pray. Père adorable. Our heavenly Father. Nous te remercions pour tous tes bienfaits de notre part. We thank you for whatever you've done for us. Nous te remercions en particulier pour ce moment que tu nous offres pour partager ta parole. Especially for this precious moment we have got to share your word. Nous implorons la présence de ton Esprit Saint. We invoke the presence of the Holy Spirit. Afin qu'il illumine le cœur de chacun. So that he may enlighten the heart of everybody. Pour que notre adoration te soit agréable. So that our worship may be good at your eyes. Et qu'il nous amène à croître dans ton salut. And then he makes us growing to your salvation. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. Amen. Amen.
A good Samaritan. A man was traveling to Jericho from Jerusalem. When some thieves wounded him, they stole his money. Soon after, a priest and a Levite passed by. They did not help the wounded man. A Samaritan, everyone considered an enemy, stopped and took care of his wounds. He took him to an inn where he left some money. They should continue to take care of him. The lesson I get from this story is to help others, even those who are not our friends. Let's pray. Dear God, help me to be good every day. Let me know what is wrong and right. Keep my family safe day and night. Amen. Je remercie en plus tous ceux qui m'ont précédé. I'm also thanking those who have come before me. Essentiellement le jeune enfant. Mainly the young kid. Qui a accepté d'être le serviteur de Dieu. Who accepted to serve our God. Un jour, one day, chacun d'entre nous se serait interrogé sur la vraie manière d'adorer Dieu. Each and everybody among us may have asked him or herself how to worship our God. Comment puis-je adorer Dieu de la manière qui lui honore? How can I worship our God in a manner which honors him? Comment puis-je honorer Dieu par mes paroles? How can I honor God through my words? Par ma vie. Through my life. Par mon être tout entier. Through my entire life or my entire body. Interrogeons-nous d'abord sur le sens à accorder au concept d'adoration. Let us understand the meaning of worship. L'adoration peut être définie comme l'hommage rituel rendu à la divinité. Worship may be understood as a tribute to the divinity.
Elle peut être aussi entendue comme une façon de se prosterner devant un personnage humain. It can be also understood as bowing down in front of a human. Ou divin. Or a heavenly. Pour lui témoigner son respect. To show respect. Cela peut se faire de façon cérémonielle ou solennelle. This can be done in terms of ceremony. Tout comme ça peut se faire selon le vœu de chacun. Even can be done as anybody wants. Pourquoi adorer? Why worship? Quel motif d'adoration pouvons-nous avoir dans nos âmes intérieures? What could be the motive of ours to our motive to worship within ours, within us? Certains peuvent dire. Some may say. C'est dans l'intention de gagner des faveurs. It's in I want to get favor. En adoptant une attitude d'extrême humilité. By having extreme humility. Ou de soumission. Maybe also of submission. D'autres peuvent se dire. Others may say. Qu'il s'agit de l'expression des sentiments plus élevés. Maybe to express our highly feelings. Inspirant un sacrifice de louange. Maybe with a sacrifice of glorifying or praising. Pour la glorification désintéressée de la majesté de l'Éternel. This glorification of the majesty, a heavenly majesty. Il est dit en 2 Samuel chapitre 6. In 2 Samuel chapter 6. Verset 12. Verse 12. Que David monte l'arche au milieu des réjouissances. It says that David came up to the ark with joy. Et au verset 14, verse 14, il nous est dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel. It says that David danced in front of our God. Que faisons-nous en pareille circonstance? What do we do in such circumstances? Tout être humain, whoever, convaincu de ce que est Dieu, understands who is God, Dieu souverain, a sovereign God, il devrait l'adorer. Has to worship him. Lui qui est le roi des rois. The one who is the king of kings. Le seigneur des seigneurs. The lord of lords. Qui possède l'immortalité. The one who is immortal. Qui habite une lumière inaccessible. Who is in a light of which nobody can access. Que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. None has seen and none has understood. Ce que nous trouvons en 1 Timothée 6 verset 15. What we can understand also from Timothy chapter 6, verset 15. Chapter 6, verse 15. L'adoration peut consister aussi à une prière invocatoire. The worship may be also a prayer of calling. Le roi Josaphat l'aurait fait avec tout son peuple. Josaphat also did this with his people. Lorsqu'ils se prosternèrent devant l'Éternel avant la bataille. When he was bowing down in front of the Lord before the battle. Implorant la victoire. Praying for the victory. Il avait à cœur que seul Dieu remporte des vraies victoires. He understood that God was the only one to get victory. Et qu'aucune force ne saurait lui résister. And knowing that no other hindrance in front of God. Salomon aussi a offert une prière invocatoire. Solomon also prayed the same way. À l'occasion de la dédicace du temple de Jérusalem. When he was dedicating the temple of Jerusalem. Nous lisons en 2 Chroniques chapitre 6 verset 14 et suivant. We read in 2 Chronicles chapter 6 and verse 14 and the rest. Mais bien plus au verset 39 à 42. Maybe also on verse 39 and 42. Il s'adresse à Dieu comme un Dieu de pardon et de grâce. He's addressing himself to God, a God of mercy. Un Dieu qui mérite notre adoration. A God who deserves our worship. Avons-nous la conscience que Dieu est digne d'adoration? Do we understand that God deserves worship? Et que nous y sommes tenus? And then we are required to do so? Certainement, nous devons à notre Dieu hommage et adoration. Of course, we have to worship our God. Une autre question vient à l'esprit. One more question arises from ourselves. Quel critère de la vraie adoration? What could be the criteria of the true worship? Celle agréable à Dieu qui en est l'objet. The one which God
are likes, à défaut desquels l'adoration serait inutile. Without them, worship would be meaningless. Premier point. First, on doit adorer Dieu en tant que seul vrai Dieu. We have to worship God because He's the only God. Avoir le sentiment de ce que Dieu est dans son essence. To have the feeling of who is God. Dieu éternel. An eternal God. Dieu créateur de l'univers. A creator of the universe. Dieu omniprésent. An omnipresent. Dieu omniscient. Omniscient. Dieu omnipotent. Omnipotent. Dieu miséricordieux. A God who has mercy. Dieu lent à la colère. Who is slow in anger. Et riche en bonté. And also is kind. Il s'est révélé à l'humanité. He revealed himself to the humanity. Par la créature. To the creator. Mais aussi et surtout par Jésus-Christ. Exactly, mainly through Jesus Christ. Nous sommes au point de le connaître. We are about to know him. En tant que Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. As God towards us. En tant que Dieu de chacun d'entre nous. As a God of everybody among us. Dieu qui nous a créés. A God who created us. Et Dieu qui a pourvu à notre salut. And a God who provided to our salvation. Amen. Amen. Pour arriver à le connaître. To reach to his knowledge. Dieu doit se placer. L'humain doit se placer à sa place en présence de Dieu. The human being has to be at the right place in front of God. Afin que Dieu garde sa place dans nos âmes. So that God keeps his position, his place in our souls. Faisons cette brève comparaison. Let us make this brief comparison. L'humain pécheur est unique. The human being who is a sinner with uniquity. Loin de Dieu. Away from God. En présence de Dieu qui cherche l'homme. In presence of a God who is seeking for the man. En Romains 3, verset 11. In Romans chapter 3, verse 11. Il nous est dit que nul n'est intelligent. It says, none is wise. Nul ne cherche Dieu. None is seeking for tous God. Tous sont égarés. Everybody went away. Tous sont pervertis. Everybody was lost. En présence de Dieu. In presence of God. Juste et saint. Righteous and holy. À la recherche de l'homme. Seeking for the man. À Matthieu 18, verset 12. Matthew 18, verse 12. Nous trouvons que Dieu est venu en la personne de Jésus chercher celle qui était perdue. We find that God came through Jesus to seek for the man who was lost. La deuxième comparaison. The second comparison. L'humain totalement impuissant, d'une part. The man who is powerless. Dieu lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien. God says or tells him, without me, you are powerless. En présence de Dieu, tout puissant et vainqueur. In presence of God, who is powerful, vainqueur mighty, du monde. Who is a conqueror, a vainqueur of the world. En Jean 16, 33. In John chapter 16, verse 33. Dieu nous promet en la personne de Jésus. God promises us through Jesus. Qu'il a vaincu le monde. Says that I won the world. Troisième comparaison. The third comparison. L'humain orgueilleux et hautain. The man who is having pride. Obstiné à vivre sans Dieu. Who lives without God. En présence de Dieu qui s'abaisse et qui s'humilia pour atteindre l'homme. And also we have a God who is humiliate, who is getting humility down to get where the man is. La quatrième comparaison. The fourth comparison. L'humain qui prétend vivre alors qu'il est mort. The man who pretend to be alive while already dead. En Éphésiens 2, verset 1er, il est dit. In Ephesians chapter 2, verse 1 que says. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. We were dead due to our sins. Nous sommes en présence de Dieu. We are in presence of God. En la personne de Jésus. Through Jesus. Qui porte la nature humaine et offre sa vie. Who is having the human nature. Et offre sa vie. And offers his life. Afin de donner à l'homme la vie réelle et immortelle. So that to give
the life to the man so that the man can get immortality. À Matthieu 18 verset 11. Matthew 18 verse 11. Il est dit que Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. It says that Jesus came for the man that the people were lost. En 1 Corinthiens 15 56. In 1 Corinthians 15 verse 15. Il nous est dit que la mort sera engloutie par la victoire. It says that the death will be swallowed by the victory. Une promesse inaltérable. That is a promise which cannot change. D'un Dieu qui ne se trompe pas. Of a God who does not make a mistake. Et qui ne retire jamais sa parole. And who does not withdraw what he has promised us. Amen. Amen. C'est pourquoi Saint Paul nous dit en Philippiens 2 verset 10 et 11. That's why in Philippians chapter 2 verse 11 Saint Paul tells us. Que tout genou doit fléchir dans les cieux et sur la terre. Says that everybody will kneel in front of the world even the heaven. Pour ce sauveur glorieux. For this savior who is glorious. Et toute langue devrait confesser que Jésus est Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. And all nations should confess that Jesus has the glory of God. Ça, c'était le premier critère. That was the first criterion. Reconnaître Dieu en tant que Dieu seul, Dieu. Recognizing that God is the only one. Et l'homme se placer en la place qui lui revient. And the man, the human being, to be at the right place. Le deuxième critère, the second criterion, qui a deux sous-critères, which has two sub-criteria, adorer Dieu en esprit et en vérité, to worship God in spirit and with truth. Cette parole, Jésus l'a énoncée, this word Jesus proclaimed it, à l'occasion de la rencontre avec la Samaritaine, when he was meeting the Samaritan wife. Issu d'une communauté haïe et méprisée par les Juifs. From a community which was not loved by Jews. Elle-même adultère. She was an adultery woman. Qui vient au puits de Jacob en plein midi. Who comes to the pool of Jacob in the afternoon. Pour échapper au contrôle de sa communauté. To make sure that she's not seen by her community. Elle était dans une condition la plus répugnante qui puisse. She was in the bad situation. Mais Dieu veut la rencontrer. But God wants to meet her. Jésus lui parle. Jesus talks or speaks to her. Il avait réellement soif. He had thirst. Mais la soif qui le hantait le plus. But the thirst which he had more. C'était d'apporter le salut. Was to bring salvation. Jésus saisit cette occasion. Jesus got this opportunity. Après un échange très riche. After a dialogue which was a very deep one. Auquel nous n'allons pas revenir dans tous les détails. And that dialogue we are not going back to it. Jésus lui dit. Jesus tells her. Le passage que nous lisons. Where we can read. En Jean chapitre 4. In John chapter 4. Jean chapitre 4. John chapter 4. Verset 20, verse 20 à 24, up to 24. Je lis la version de Louis Segond, nouveau, la version la plus récente. He's reading from the recent version of the Bible. Il est dit, it says, au verset 20, verse 20, la femme d'abord considère. The wife considers first, parce qu'elle avait perçu cela en Jésus. Because she had seen this in Jesus. Que Jésus était le prophète. That Jesus was the prophet. Elle veut profiter de sa présence. She wants to get that opportunity. Pour lui interroger sur la question qui l'a troublée. To ask the question which was burning to her. Il y avait toujours un malentendu entre le lieu authentique où il fallait adorer. There was a misunderstanding on where to worship really. Les Samaritains prétendaient que l'on devrait adorer à Garizim. The Samaritan could understand that the worship should be at Garizim. Les Juifs à Jérusalem. The Jews in Jerusalem. Et la femme lui pose la question. And the wife to ask the following question.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. That is verse 20. Verse 20. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Le lieu d'adoration. The place of worship. La manière dont on doit adorer. The way, the manner to worship. Mais Jésus dans sa providence. Jesus in his kindness. En réponse à la préoccupation que nous tous partageons. To answer to the question we all share. Va au-delà de la forme. Went beyond the form. La forme est importante. Yes, the form is also important. Mais le fond est beaucoup plus important. But the content is the most important. Et Jésus lui dit. And Jesus to respond. Verset 21. Verse 21. Jésus lui dit, femme, crois-moi. Jesus said to her, believe me, woman. L'heure vient. The time will come. Où ce ne sera ni sur cette montagne. When people will not worship the Father either on this mountain. Ni à Jérusalem. Or in Jerusalem. Que vous adorerez le Père. You, but, yes. From Jerusalem on this mountain. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. You are worshiping what you don't know. Nous adorons ce que nous connaissons. But we worship what we know. Car le salut vient des Juifs. Because the salvation comes from Jews. Et voici la suite. Here is the following. Mais, but l'heure vient. The time is coming. C'est maintenant. And it's already here. Où les vrais adorateurs when by the power of goods of adoreront spirit, le Père en esprit et en vérité. When the right worshippers will worship the Father car in truth and because tels sont les adorateurs que le Père cherche. Because these are the people God wants. Dieu est esprit. God is spirit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. And those who worship him have to do it in spirit and in truth. Voyons Jésus qui rencontre la pauvre Samaritaine. We see Jesus meeting this Samaritan woman. Ni son appartenance à la communauté samaritaine. Neither the belonging to the community of Samaritan, ni sa condition d'adultère, neither her situation of someone who is an adulterer, ni son refus à répondre à la demande de Jésus promptement, nor responding to the question of Jesus immediately, n'a empêché Jésus de lui apporter l'eau de la vie. This did not hinder Jesus to bring the water of life to her. Voyons maintenant ce que Jésus lui propose lorsqu'il lui dit. Let us see what Jesus proposes him her when he tells her this way. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pray or worship God in spirit and truly. Adorer Dieu en esprit. Worship God in spirit. Nous sommes appelés à honorer Dieu en esprit parce que Dieu est esprit. We are called to worship God in spirit because himself is spirit. Il est opposé au monde charnel. He is opposite to the flesh. En ce que la chair exige ce qui lui revient. Because the flesh requires what belongs to it. La chair exige l'humiliation de celui qui adore. The flesh requires the humility of someone who is worshiping it. Humiliation est un peu différente de humilité. This humiliation, which is different from humility. Alors que Dieu exige l'humilité. While God is requiring for humility. Qui vient du cœur. Which comes from the bottom of our hearts. Amen. Amen. Il doit être produit par l'Esprit Saint en nos âmes. This has to be a product of the Spirit pour in our hearts.
pour être capable d'adorer Dieu comme il convient, to be able to worship God as it is required, notre esprit doit être en communion profonde avec Dieu. Our spirit has to be in communion with God. Notre intelligence engagée. Our intellect has to be engaged. Convaincu. Convinced. Sous la conduite de l'Esprit Saint. Guided by the Holy Spirit. La nature de Dieu est opposée à tout ce qui est terrestre. The nature of God is opposite to whatever is car on this Dieu est omniscient. Earth. Because God is omniscient. Il est omnipotent. Omnipotent. Il est omniprésent. Omnipresent. Il ne peut contenir aucun espace créé par l'homme. He cannot contain any space. Dieu est céleste. God is heavenly. Dieu en tant qu'esprit. God as a spirit. Est opposé à ce qui relève du matériel. Is opposite to what is material. Le monde entier lui appartient. The whole world belongs to him. Il est par ailleurs son marchepied. By the way, the world is his footstep. On peut adorer à l'église donc. We can therefore worship from the church. On peut adorer dans le bus. We can worship within the bus. On peut adorer au marché. We can worship from the market. On peut adorer à la maison. We can worship from home. Et on devrait adorer partout. We have to worship notre from engagement everywhere. Envers Dieu. Our commitment to God. Notre intelligence soumise à sa volonté. Our intellect has to be submitted to his will. Doit être la clé motrice de notre adoration. That should be the key of our worship. Dieu n'est pas limité dans le temps. God is geographically unlimited. Dans le temps, Dieu n'est pas limité. In terms of time, God is unlimited. Pas seulement quelques heures du sabbat. Not only some hours during Sabbath. Mais 7 jours par 7. 7 days out of 7. 24 heures sur 24. 24 hours out of 24. Dieu est digne de notre adoration. God deserves our worship. Alors Dieu est esprit. God being a spirit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Those worshiping him have to do so in spirit and truly. Il ne peut pas être honoré par des offrandes appartenant au monde de la chair. He cannot be honored by offerings belonging to the world of the flesh. Il recherche l'âme. He is seeking for our soul. L'âme en tant que la créature de Dieu. The soul being the creature of God. Adorer Dieu en esprit. Worship God in spirit. Suppose qu'on l'adore en tant que tel qu'il est. Meaning that we worship him as he mais is, aussi que l'homme se place en la place qui lui revient. But also the human being at his right place. Et si nous avons conscience de cette réalité, and if we understand that reality, allons-nous continuer de refuser un esprit de reconnaissance à Dieu, les biens qu'il a placés à notre possession. Are we going to continue to hinder what God put in our possession to return them to him? Afin qu'il contribue à la propagation effective de l'évangile. So that this may contribute to the spread of the gospel. Sous tous les axes de la prédication. Through all angles of the preaching. Absolument non. Absolutely no. Le sous-point 2, the subtopic 2, adorer Dieu en vérité. To worship God truly. Les humains sont appelés à honorer Dieu en vérité. Humankind is called to worship God truly. Parce que l'adoration est l'expression de ce que celui qui adore reconnaît de la réalité essentielle de Dieu. Because the worship is the expression of the one who is worshiping to understand the reality of God. Certainement, nous ne pouvons prétendre arriver à connaître Dieu tel qu'il est. Of course, we may not pretend to understand God the way he is. Et Paul l'a dit que nous connaissons en partie. Even Paul said that we know him partially. Pourtant, nous devons y tendre. By the way, we have to go there and reach there. Croître dans cette connaissance. To grow in that knowledge. En 1 Timothée 2, verset 4. In 1 Timothy chapter 2 verse 4. Il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
It says that God wants everybody to be saved. Et parvient à la connaissance de la vérité. And then reaches the knowledge of that truth. C'est un cheminement. It's an ongoing journey. Et en 2 Pierre 3:18, in 2 Peter chapter 3 verse 18, il nous est dit, it says, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grow in the grace of even the knowledge of our Jesus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. May the glory belong to him from now and forever. L'adoration suppose l'état de conscience de l'adorateur. The worship means the conscience of someone who is doing it. Dans la plus profonde sincérité. In the truth. Dans la plus profonde sincérité. In the real truth. En se soumettant pleinement à la sainte volonté de Dieu adoré. And surrendering him or herself to the divinity of the God we are worshiping. Adorer en vérité sous-entend que celui qui adore ne doit rien cacher. Worshiping in truth means that the one worshiping has no to hide anything. Entre la réalité du cœur qui adore. Between the reality of the someone, the heart of someone worshiping, et l'hommage exprimé par les lèvres, and the tributes which are expressed by our lips, rien entre la pratique cultuelle, none from the ritual practice, et la vie religieuse et morale de celui qui adore, and the religious life and moral of someone who is worshiping. Ce qui est exprimé par la bouche. What is expressed by our mouth doit être l'expression de la réalité dans notre cœur intérieur. That should be the expression of the reality of our heart internally. Nous devons fixer nos pensées en toute sincérité à ce que nous disons de nos bouches. We have to make sure that whatever we speak should match with what is in our heart in a true way. Plutôt que de nous contenter de faire des récitations. Rather than making, memorizing things, honora Dieu de nos lèvres et non de nos cœurs. Honoring our God through our lips, not within our heart. L'histoire de du Samaritain nous renseigne davantage. The history of the Samaritan teaches us more. Le prêtre, The priest n'a pas voulu approcher la victime, did not want to approach the victim, par souci d'être agréé dans la forme par Dieu, to make sure that he is accepted by form by Jesus, by God. Le Lévite, même chose. The Levite, same thing. Le Samaritain, lui, but the Samaritan avait compris que sauver une vie, understood that saving one life, était la meilleure façon d'adorer Dieu. Was the right way of worshiping God. Et Jésus a approuvé son fait. And God or Jesus approved what he did. Jésus ne s'était pas opposé à toute forme d'adoration. Jesus did not oppose himself to any form of worship. Il dénonçait plutôt les observances. But he was not accepting whatever as observation. Susceptible de paralyser l'adoration, whatever form which could paralyze the worship, pleine de vérité et de vie, which was full of truth and life. Pour y arriver, to reach there, frères et sœurs, dear brothers and sisters, il faut nécessairement avoir accueilli Jésus. You have necessarily to have received Jesus. Lui qui est la vérité et la vie dans nos cœurs. Himself is the truth and the life in our heart. C'est ça la vraie adoration. That's the right worshiping. Mon vœu, my wish, est que vous et moi, is you and I, puissions tous, may all of us, accueillir Jésus dans nos vies. Receive Jesus in our lives. Pour que so that notre adoration puisse être agréée et acceptée par Dieu. Our worship may be accepted by our God. En passant, je remercie Dieu pour l'œuvre qu'il a fait accomplir par vous-même. By the way, I thank God for the work he has done through you.
Un édifice impressionnant aux yeux des hommes. Our church behind here, which is very, very big to the eyes of people. Je ne m'en doute pas. I'm not doubting. Dieu a agréé l'offre de chacun d'entre vous. God accepted the offer of everybody among you. Qui avait adoré Dieu par vos biens. Who worship God, worshiped God through your belongings. De tout cœur. From your bottom heart. Mon vœu, my wish, est que l'édifice qui s'achève bientôt, as the church which is about to be accomplished, puisse être le lieu où Dieu serait adoré, may it be the place where God will be worshipped, et où il va rencontrer les vrais adorateurs, where he will be meeting the right worshipping, où de nouvelles âmes se joindront à l'assemblée de Dieu, where the new souls will assemble in with the people, pour partager l'adoration du Dieu de notre salut, to share the worship of the God of our salvation. C'est par ce seul moyen, it's through that only way, que nous serons ensemble édifiés, that we will be all educated, pour être une habitation de Dieu en esprit, to become the inhabitant of God, where God will be dwelling in spirit. C'est le vœu que je forme pour vous et moi. That's the wish I'm making for you and for me. Afin que nous puissions adorer celui qui a fait le ciel et la terre. So that we worship the one who created the earth and the heaven. Et la mer et les sources d'eau. And the sea and all streams. Mais bien plus, adorons notre Seigneur. Finally, let us worship our Lord, qui nous a sauvés, who saved us. À lui soit la gloire. To him, glory, honneur, honor, au siècle des siècles. Forever Amen. And forever. Amen. Prions. Let's pray. Père adorable, our Father, merci pour nous avoir conduits dans ce partage. Thank you to have guided us in this sharing. Merci pour avoir ouvert nos yeux à te contempler. Thank you to have opened our eyes to see you. Pour nous avoir appris la manière de t'adorer. To have taught us the way of worshiping you. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. We surrender ourselves to your arms. Pour que Jésus habite nos âmes. So that Jesus dwells our souls. Qu'il conduise tous nos actes. May he conduct and guide all our actions. Que son esprit soit la source de nos mobiles. May his spirit be the source of our actions. Et que notre adoration puisse être agréée de ta part. May our worship be accepted by you. Que tout notre être soit une adoration. May all our body be a worship. Jusque dans l'éternité. Up to the eternity. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. Amen. Amen.